Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Raider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 75 sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, j'ai dû aller me renseigner sur YouYou, sur YouTube, au secours, pour la quête, trouver le fameux mécréant. L'artiste, il est où? Il est où le petit enfoiré? Je ne sais plus. Là. Les mots sur le mur. Voilà. Ça là. J'ai dû aller me renseigner parce qu'en fin de compte, ils l'ont bien planqué, ces enfoirés. Hein. J'ai cherché, cherché, cherché et encore cherché désespérément. Enfin. Vous voyez le truc quoi. Et du coup, ouais, j'ai dû regarder une vidéo où le mec, bon déjà il fait pas de montage. Il dit aujourd'hui on va trouver où est-ce que ça se trouve le mec. La vidéo a duré 45 minutes, pendant 45 minutes il tourne en rond et finalement il le trouve. Bon, moi personnellement j'aurais fait un peu de montage. Parce que bon, se faire chier pendant 45 minutes en te disant bon bah c'est où ta merde. Voilà. Mais c'est pas grave. Et... Du coup, c'est vraiment bien, bien, bien planqué. Alors, j'ai regardé ça il y a un petit moment, donc on va un petit peu chercher aussi. Et là, vous allez dire, bah, n'est qu'à faire du montage, connard. Oui. Arsenal. Ah ouais, carrément, j'ai trouvé l'arsenal. Mais j'ai aussi envie d'aller trouver un petit peu ce qui se passe là. Ah non, j'ai envie de faire la quête, au moins comme ça, on en sera débarrassé. Débarrassé. Et hop. Bah. Ah oui, parce que je suis toujours dans le rouge. Ah là, c'est bon, maintenant je peux me TP. J'ai pas envie de me retaper l'ours, s'il vous plaît. Trois fois que je tape l'ours. Ou deux, ou trois fois, je sais plus. Ah ouais, parce qu'en plus il est là. Non, 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 non. J'ai juste appuyé sur une touche. C'était la touche de saut. Après, elle est montée toute seule. Voilà. Voilà où c'était. Sauf que quand tu passes, tu le vois pas en fait. Parce que tu t'es plus concentré pour aller voir ce qui se passe là. Avec le gros zouzours. Y'a personne! C'est des nobody! Voilà, et donc en fin de compte. Bonjour. Hein? Et en fin de compte, il était là, l'enfoiré. Ouais, je sais. Je suis aveugle. Super slip. Te voilà. Je te cherche depuis un moment. Et tu es? C'est Phoenix qui m'envoie pour mettre un terme à ta carrière artistique. Tu es là pour me tuer? Disons que ça dépend de toi. Je t'en prie, Mystios. Phoenix est une bonne dirigeante. Tu peux lui dire, je ne suis que la main, pas la tête. Tu as autant de courage qu'un mouton. Tu écris des choses auxquelles tu ne crois pas. Je ne savais pas que ça irait si loin. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu fait ça? On me l'a demandé, c'est une commande. Ces gens-là sont puissants. Essaie de leur dire non, tu verras. Moi, je l'aurais fait. Car je ne suis pas une larve. Mais je suis pauvre. L'Archonte m'a promis une fortune, une montagne de drachmes. Et regarde où ça t'a mené. Je vais arrêter, je te le promets. Je n'écrirai plus rien. Si tu es prêt à t'amender... Tu as fait une erreur.
une grave erreur. Mais si tu reconnais tes torts... Oh oui, Mistios, crois-moi. Oh oui, Mistios. Tiens, la commande. Regarde. Bon, c'est terminé. Tu n'entendras plus parler de moi. Ok. What the fuck? Ah, c'était d'une magnificence magnifique. Voilà, voilà, je pouvais dire que ça. What the fuck? Ah oui, mais lui, c'est le... Des fleurs pour les morts. Oui, lui, c'est les... Ouais, mais lui, on s'en fiche. Ah zut. I want to jump. Pas comme ça, Zinedine. Merci. Oui. Ah, ça a dû faire tellement mal. Ah putain. Putain, mais de mémoire, j'avais récupéré tellement de choses. Tellement de quêtes plutôt. Oui. Là-bas, Mistios. Qu'est-ce qu'il y a, vieillard? Je suis mourant, Mistios. Je le sens dans mes os. Mais avant, j'ai une chose à faire. Tu veux bien aider un vieil homme à exaucer son dernier souhait? Je te donnerai les drachmes qui me restent. Je ne priverai pas un vieillard de son dernier désir. Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours promis à ma femme de l'emmener voir les fleurs rouges au sommet de la montagne, sur le terrain de jeu de Zeus. C'est un bel endroit. La vue est splendide. Mais elle a rencontré le passeur avant moi, Mistios. Je n'ai pas tenu ma promesse. Il y a toujours quelque chose à faire, tu sais. Les enfants, la guerre, que sais-je. Ce n'était pas facile. Tu as fait de ton mieux. Tu as une bonne âme, Mistios. Mais j'ai été un mauvais mari, oui. Alors, qu'aimerais-tu que je fasse? Va cueillir quelques-unes de ces fleurs rouges au sommet du mont Ida. Je pourrai les offrir à ma femme quand j'irai chez Hadès. Quelques-unes suffiront. Rapporte-les-moi ici. Je t'attendrai, Mistios. Et je pourrai mourir. J'ai compris. Et il va mourir avant. Because a reason. Labyrinthe des âmes perdues.
Et bah ça a l'air fort sympathique. Bâtiment de l'octroi du pôle. Zipolé. Oh, c'était en face. Assaut! Excusez-moi, oh, ça va, on peut même plus plaisanter quoi. Et ils veulent pas, elle veut pas monter, c'est vrai, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, à mon avis, ils ont dû oublier d'encoder encore un truc. Ça m'étonnerait guère. Sommet du mont Ida. Nickel. Nickel. Je l'ai en vue. Fous-moi la paix, putain. Ce doit être l'endroit dont parlait le vieil homme. Là, voilà. Les fleurs. Les fleurs. Pardon. Faut que je me dépêche de les rapporter au vieillard près de Gortine. Teleportation. Mais je suis sûr et certain, il est dead. Le légendaire Knossos. Jadis palais du roi Minos. Ah non. Hadès l'a appelé. De toute ma vie, je n'ai jamais vu si paisible. J'espère qu'il a trouvé ma mère. Ces fleurs, est-ce que... Oui, il m'a demandé de les lui apporter. Vieux fou. C'est pour ça que tu as quitté Pefka, pour aller chercher si loin de chez nous des fleurs pour mère. Espèce de pauvre vieux fou entêté. C'était mal joué, ça. Il m'avait promis une récompense. Tiens. Merci beaucoup, Mystios. Il avait fait une promesse à sa femme. Et je lui en avais fait une. Et moi, je n'ai rien à t'offrir. Mère doit être contente que tu aies apporté ces fleurs. De son vivant, tu ne l'avais jamais fait. Je chie sur tes plantes, mon gars. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais sûr que c'était là. Enfin, juste là-haut, n'importe quoi, que c'était en bas. My bad.
touche pas à ce coffre, il est à moi. Je ne suis pas une voleuse, mais si je l'étais, je chercherais un peu mieux que ça. Retire ce que tu as dit. Ces ruines sont un endroit intéressant pour s'installer. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Il y a longtemps, en dessous d'ici, mon père, le grand aventurier Nikios, est entré dans le labyrinthe pour voler le trésor du Minotaure. Alors que j'attendais à l'extérieur, j'ai entendu des cris et des rugissements, et ces hommes sont sortis en courant. Ces hommes, mais pas mon père. Il faut que j'aille le sauver. Une histoire tragique. Mais aux dernières nouvelles, le Minotaure vivait à Pefka. Il est assez connu d'ailleurs. Ceux qui disent ça n'y connaissent rien. Le vrai Minotaure est à Messarin. À Pefka, ils disent pourtant que... Eh ben, ils mentent. Et crois-moi, je m'y connais en mensonges. Alors où est-il? Tu as dit que le labyrinthe était en dessous de nous. Oui, il y a une trappe qui fait peur juste en dessous du temple. Mène-moi là-bas. J'irai tuer le Minotaure. Et trouver ton... Trouver ton père. Tu vas le faire? J'ai pas du tout confiance. Le Minotaure mourra. Et je retrouverai ton père. Merci, Mistios. Personne ne me croit jamais. Calme-toi et conduis-moi au labyrinthe. Quel est ton nom? Ardos. Viens, suis-moi. L'entrée est loin sous la terre. Ardos. Oh putain. C'est par ici. Tu ne vas pas en croire tes yeux, Mistios. Il y a une énorme salle, avec un énorme trou dans le sol, et une énorme porte. Tout le monde parle de la manière dont... Thésée a tué le Minotaure. C'est faux! Je l'ai entendu! Il rugit comme... un roulement de tonnerre! Ouais, c'est ça. Le Minotaure est... Ça sent tellement le mytho. Et il a faim. Je m'y connais en mensonge, on le sait. Je suis content que tu sois venu. Maintenant, mon père a une chance de se sortir de ce maudit labyrinthe. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir placé l'entrée aussi bas. Nous y voilà. C'est incroyable, non? C'est non, c'est pas chiol. J'ai vu pas mal de choses, Ardos, mais ça... C'est incroyable. Alors, le Minotaure se trouve en dessous du palais de Knossos. Ouvre la porte. J'ai un Minotaure à tuer. Ah! D'accord. C'est verrouillé. Ne t'en fais pas, on va trouver un moyen. Tu dois savoir quelque chose? Je suis vraiment beaucoup... Moi, trop gentil non. avec ce gosse. Mais ceux qui sont entrés dans le labyrinthe avec mon père sauront, eux. J'ai essayé de leur demander, mais... Ils refusent de me parler. À moi, ils me parleront. Qui sont ces gens? Le collectionneur, l'espadon et mon ancien gardien. Mon ancien gardien. Un horrible vieillard. Il a toujours refusé de parler de mon père et du Minotaure. Alors je lui ai faussé compagnie, pour trouver la vérité de mon côté. Bien. Le collectionneur, lui, il achète des choses étranges. C'est un marchand de Gortine. Oh! Et le dernier, on l'appelle... l'Espadon. Évidemment. C'est le chef de la baie du Poulpe, et il n'est pas commode. Où est-ce que je devrais le chercher, l'Espadon? Comment se trouve la plage des pêcheurs à Héraclion? Personne ne l'a vu depuis des années. Certains disent qu'il est mort. Que? L'Espadon? Il doit avoir un long nez pointu. Non, non, il est vraiment bon à l'épée et... Les dons. L'épée et les dons. L'Espadon. Bah, l'Espadon, c'est une longue épée, normalement. C'est une épée à deux mains. Ce collectionneur... Où est-il? Il vit à Gortine, près de Colonne Rouge.
dans une maison incroyable remplie de tas de choses. Je lui ai emprunté quelques babioles. Il en a tellement qu'il n'a jamais rien remarqué. Si je t'attrape à m'emprunter des choses... À toi ? Jamais. Je me ferai prendre. Salaud de gosse. Dis-moi plus sur ce vieil homme. Bon, mon ancien gardien m'a récemment envoyé un message proposant qu'on se voie à Phaistos. C'est gentil de sa part. Il a toujours refusé de me parler de mon père ou du Minotaure. C'est pour ça que je suis partie. J'irai voir à ta place ce que je peux trouver. Le message parlait de le rencontrer à notre ancienne maison, au nord-est d'ici, près de Phaistos. Où as-tu dit que je trouverais ton gardien ? Ancien gardien. Le message disait de le retrouver à notre ancienne maison, au nord-est, près de Phaistos. Ah, mais il a répété la même chose. Je me charge de les faire tous parler. Oula. Plusieurs quêtes acceptées. Il y en a de la merde. Prise et reprise, what? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon mari wow. a disparu. Il est parti pêcher hier près d'Anafi et il n'est pas rentré. Il doit te manquer. C'est plus grave qu'un mari qui manque à sa femme. Je crains vraiment qu'il soit en danger. Quel genre de danger ? Des pirates. On en a vu récemment dans la région. Je lui ai dit qu'il était trop dangereux d'aller pêcher. Mais il faut bien payer l'espadon. Parle-moi de l'espadon. Mon mari en sait plus que moi. Si tu le sauves, il te dira tout ce que tu veux. Si les pirates l'ont trouvé, il est peut-être déjà mort. Je dois garder espoir. Son navire est rapide. S'il a vu les pirates, il aura rejoint le rivage le plus proche. Les plus proches. Je peux sauver ton mari, mais il faudra payer. Je t'en prie, je trouverai une solution, mais ramène-le-moi. Je vais chercher ton mari. Où devrais-je commencer ? Son coin préféré est sur la côte ouest d'Anafi, au nord d'ici. S'il est vivant, je le trouverai. Ah ! Oups, pardon. Il y avait un petit bâtisseau. Putain, il y en a un et wouhou! Ah, j'aurais peut-être dû y aller avec le bateau. Je ne devrais pas aller plus loin avec ce bateau. Ah. Ça veut dire que je suis obligé de me taper ça avec le Kefalonia. Le Kefalonia, n'importe quoi, avec mon gros bateau.
Eh bien, il y en a du vent. Hein. Pas réapparaître comme ça. Ah ouais. It was on the way. À dire, on s'en fout parce que tu peux le dépop et le refaire réapparaître, tu vois. Vu que là il y a un gros chargement. Putain, ah, la vache, toutes ces quêtes. Faudrait que je vende en fait pour récupérer pas mal de thunes. Il faudrait aussi un jour que je me tape les pierres. Et aux flèches ordinaires, d'accord. Ah non, c'est le temps que ça dure, et ça, c'est le temps que ça dure sur les ennemis, d'accord. There you go. Voilà. Et le bateau. C'est dommage, j'aurais bien voulu prendre ça. Je peux rien améliorer là. Je peux. Non, je peux rien améliorer. Shame! Shame, shame, shame. Bah écoutez, moi c'est quand même là-dessus que je vais arrêter cet épisode. Ah, c'est chiant ça. Je peux pas améliorer le bateau. Anyway, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas. Bah écoutez, c'est là-dessus que moi je vais arrêter cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci, comme d'habitude, pour toujours savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper de nos aventures. En attendant, je fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.